C'est un fan YouTube. Et je vous avoue que à la base, je voulais pas faire ce let's play là, let's play des jeux Game Boy Advance, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, comme c'est avec Nintendo Switch plus pack additionnel que tu as. Attends. T'as Game Boy Advance qui est avec le pack additionnel? Ouais, je crois que c'est Game Boy Advance qui est en pack additionnel. Du coup, tout le monde peut pas l'avoir à moins de payer le pack additionnel. C'est un peu bizarre. L'interface, j'aime bien. Enfin, je pourrais la faire, hein, mais j'aime bien. Reproduire les sensations originales affichées en votre petit écran. Nord-américaine, nord-américaine et européenne. Ok, jouer en ligne. Ok. Petit joueur sans fil en local. Ah, y a quoi? Il y a les deux The Minish Cap. Celui-là, il est européen à droite en fait. Ça, c'est la version européenne, d'accord, je comprends. Ma carte Super Circuit, il n'y a que la version américaine. Mais il n'y a pas beaucoup de jeux en fait. C'est très des pixels, hein. Ah, j'adore ce circuit-là. Ah putain, c'est vieux. Comment on tire? Ah, ok. J'aimais tellement ce jeu, mais il a tellement... En fait, il n'est pas adapté à un écran comme celui de la Switch. C'est adapté à l'écran de la Game Boy Advance, parce que l'écran était minuscule. Mais ça a utilisé un peu le mode 7, quoi. De la Super Nintendo. Putain, t'avais une console plutôt comme la Super Nintendo entre les mains. Nintendo a toujours été les rois pour les consoles portables. Ils ont toujours compris comment équilibrer une console portable. Comment la rendre à la fois pas trop chère. Et... jolie, jouable, quoi. Il n'est pas perdu la main. Pas perdu la main. Et Nintendo, dans leur époque, ils ont toujours fait des consoles portables sans focaliser la puissance ou le jeu coûterait trop cher. Ou la console coûterait trop cher, tu vois. Ils ont jamais fait ça. Pas mentir, les contrôles sont bizarres sur ce Mario Kart là. Qu'est-ce que ça l'a pris? Et je dis ça pour pas dire de gros mots pires, quoi. Pour moi, un des problèmes de ce Mario Kart, c'est que ça dérape tout le temps, en fait. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que là, je me rends compte que jouer au stick, c'est pas ouf. Par contre, vous savez qu'est-ce que je vais saigner la Wave 4, là, de... On est qu'à la Wave 4?
de Mario Kart 8. Il doit y avoir combien de waves? Il manque deux circuits, je crois. C'est la wave 6, non? Oh, t'as les bip-bip. En fait, ça bip parce que j'ai pas de pièces et je comprends pas le danger de pas avoir de pièces. Évidemment, ça me fait tourner de l'œil. J'ai appelé la vidéo Pro 4K 60 FPS. Ne regardez pas ce stream. C'est quoi la résolution de la Game Boy Advance? Ah, comme j'ai défoncé sa mère. Du coup, c'est Yoshi, c'est Luigi qui prend les devants là. S'il me dépasse, je l'éclate. Il est prévenu de mes intentions. Eh, mais j'ai fait trois fois premier. C'est la première fois que je joue à ce jeu. Là, je l'ai saigné. Sur My Game Boy Advance, je jouais pratiquement qu'à ce jeu tout le temps. Je perdais souvent dans ce circuit-là. Mais dernièrement, j'y ai rejoué à ce circuit-là. Je crois que c'est sur DS. J'y ai joué et pas sur Game Boy Advance, la résolution était mieux. Sans bouger, Peach. Peach, arrive avec B. Ouais, reste tranquille. Reste tranquille. Non, en vrai, sur un écran, là, c'est chaud. En vrai, j'aime bien, mais bon. Faut pas le dire trop fort, tu vois. Rank B. Ah, c'est les pièces qui comptent pour rank. Ah, c'est chaud. Ah, rank B, moi, je trouve ça chaud, mais bon. Je trouve ça chaud, hein, rank B. Hein. Vous avez pu voir ça quand on est collé jeu européen, non? J'adore ce jeu. Ah, je vous passe. Ah, mais c'est le premier WarioWare! C'est le premier WarioWare.
Ça me rappelle que j'ai WarioWare sur Switch. Je l'ai pas trop joué. Je trouve qu'il a moins bien vieilli, il a mieux vieilli pardon que Mario Kart. Mario Kart en fait très mal vieilli en vrai. Ah. Vas-y. Ce jeu, il a pas du tout vieilli. J'ai envie de me reprendre une Game Boy Advance pour jouer à ça. Ouais, j'aime bien, j'y joue là, mais... Pour moi, ça, c'est un jeu avec le son où tu joues, avec le son dans ton casque. Excellent. Ah, mais c'est vraiment le meilleur WarioWare! Je sais pas, le nouveau il est un peu trop compliqué, je trouve. Et j'ai 4 vies en fait. Ah, ouais, merde, c'est un boss donc je suis obligé de le faire jusqu'au bout. Et là, tu refais un cycle et ça va plus vite maintenant. Ah non, merde. Ok, c'est quand t'es en mode infini. Là, c'est juste que tu vas passer à un nouveau niveau. Vous voulez voir Jimmy? Du coup Jimmy c'est un autre personnage avec une autre ambiance et tout. Ah mais WarioWare c'est trop bien. Ah j'ai refait ma journée. Je crois que j'ai envie de faire un live sur ce jeu. Putain, à cause du smiley, j'ai bien aimé. Il est trop bien ce smiley. C'est à l'époque des vieux téléphones. Putain, j'avais quel téléphone quand j'avais ce jeu? J'avais... Est-ce que j'avais un téléphone? Est-ce que j'avais un téléphone? Si j'en avais un. J'avais pas en... Non, j'avais pas encore le Samsung. J'avais un Samsung double face côté multimédia et l'autre côté il y avait des. Un jour on fera un. Un jour on parlera de. Des smartphones qu'on a eu. Bah des téléphones.
Ouais, c'est stressant. C'est vraiment plus dur que ce qu'on a maintenant dans WarioWare. Ça donne tellement de concentration ce jeu. On peut y perdre. C'est le boss. Est-ce que je vais y arriver? Yes! Il est vraiment bien ce jeu par contre. Il est vraiment bien. Vraiment bien. Vraiment bien. Est-ce que j'avais un portable? Si j'avais un portable, j'en avais un en Guyane. Moi j'habite en Guyane. Qu'est-ce que j'avais? Je me rappelle, je jouais à ce jeu dans le bus pour aller dans une ville du centre. J'habitais à Tarbes. Et on avait fait un concours de robots. Il y avait une ville qui était dans le centre de la France, je ne sais plus lequel. Et c'est un concours de robots national. Et j'avais joué à ce jeu pendant tout le voyage. Je sais pas quel téléphone. Si j'avais un Samsung en téléphone. J'avais un vieux Samsung qui se pliait. Enfin voilà. Que de souvenirs. L'époque où on n'avait pas de smartphone pour jouer. C'est pour ça que ça marchait bien les consoles portables. Il n'y avait pas de smartphone. Ah merde, c'est pas lui. En fait, ce jeu-là... Oups. En fait, ce jeu-là, Super Mario Advance 4, il était bien sans être ouf parce que... En fait, c'est Super Mario... C'est Super Mario Bros. 3, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, il y a Mario Bros vendu avec. Mais je crois que celui-là, je l'ai pas acheté. J'ai Super Mario Advance 3, je crois. Ah si, c'est bien le... C'est un des meilleurs Mario. En fait, il est dans Mario World. Ouais, c'est le meilleur Mario. Ah, c'est trop bien, il n'y a pas de lag dans la manette. Oh, j'aime trop ce sprite de Mario. Ah, il est tellement agréable à jouer. Normalement, là, je peux avoir... Ah oui, c'est lui, je crois. Et normalement, là, je peux voler. Comment on vole? Comme ça. Là, tu peux voler. Je crois que c'est là que tu tombes. Il me semble que j'ai fait du cac. Il me semble qu'on peut faire mieux que ça. Hein. Ouais, y a des mecs qui speedrun ce jeu, c'est des ouf. Je sais même pas si le jeu a été prévu pour le speedrun à la base. J'ai vu des gens faire des trucs tellement malades. Ah, mais c'est cette musique. C'est dans ce Mario-là qu'il y a cette musique-là, j'avais oublié. Merde. Boing. J'ai perdu mon item. Vous obtenez une image.
Bon, je fais le troisième niveau et on s'arrête là. Ça, c'est le genre de jeu qui est hyper addictif aussi. Mais... Ah! Ok, je fais du caca. Vous savez, quand on fait du caca, on se barre. Ouh. Mais... Nul. One up. J'ai pas fait trip. Ah oui, c'est vrai, t'as des cartes... T'avais des cartes avec le e-reader. Ça. Alors je sauvegarde, mais normalement je crois que ça sauvegarde tout seul. Mais bon, voilà, vous avez aussi Mario et Luigi, le premier qui est excellent. Zelda Minish Cap, où Link est tout petit. Et Kurikurin qui est un jeu que je vais vous laisser découvrir. Je sais même pas pourquoi j'avais ce jeu, moi. Sur ce, les amis, je vous laisse. C'est un plaisir en fait de découvrir ces jeux. Après, le mode de distribution et le business model n'est pas ouf autour. Mais bon. C'est comme ça. Du coup, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otakus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à ceux qui s'abonnent, comme d'habitude. Et à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye.